Mais le couloir est vide. Pourtant, le bruit continue. Puis, du fond de l'armoire, on entend une sorte de plainte. Oh! He needs some milk! Hey, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un. Guillaume est seul dans sa chambre. Il lit un livre tout à coup. Un bruit. Est-ce que c'est? Guillaume commence à s'inquiéter et à avoir peur. Il ferme les yeux. Il sent un vent chaud sur son visage. Puis, tout à coup. Oh my God, what is that? Oh my God, what is that? Mon Dieu, les momies! Pourquoi as-tu dérangé mon sommeil? Je n'ai rien dérangé. J'ai Si tu as lu le hiéroglyphe, la malédiction va te frapper. Mes enfants, je n'ai rien fait. Tu m'as réveillé et tu seras puni. Non, je vous en prie. Général, je ferai tout ce que vous voulez, mais ne me tuez pas. Tout, vraiment tout. Si vous trouvez la clé manquante, j'inverserai la malédiction qui je vous ai donnée. Et j'ai des indices. Il est caché dans votre jardin. Bonne chance. Guillaume cherche pendant 1h30 avant de le trouver sous son pan. Guillaume retourne à Louvre pour donner la clé à la momie, mais ne la trouve nulle part. Ça c'était quoi? Je vois que vous avez trouvé la clé. Mais qu'est-ce que vous fait penser que cela vous fera sortir d'ici? Guillaume regardait la momie confusée. Je pense que fois que je te dis, donne le C, tu me l'as pris libre? Non, maintenant, tu dois montrer tes talents de danser. Si je les approuve, vous pouvez partir. Mais je ne suis pas très doux pour danser. Tant pis. Guillaume décidait de monter un spectacle de danse pour le momie. Était ce pour bon vous? Oui, c'était très impressionnant, Guillaume. Vous pourriez être libre. Passez un bon week-end. Merci beaucoup. Maintenant, pas avant que je change d'avis. Guillaume quitte le Louvre joyeusement et la momie satisfaite. Voilà un bon film pour une histoire.